théâtre, c'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans avec le marché des artistes dans la rue du Maquis des Vieux-Dites. Puis ensuite, on est allé sur la place à l'ombre des platanes. Et de là est née l'idée ou l'envie d'avoir un point fixe à l'année à Saint-Vivien, un lieu dédié aux artistes, aux peintres, aux sculpteurs, aux photographes, à tous les plasticiens, à tous les créateurs. Et sur une démarche auprès de la région qui nous a accordé une subvention suffisante pour pouvoir démarrer l'expérience. Donc aujourd'hui, Beaubourg, la galerie du Petit Montmartre, c'est le gâteau d'anniversaire des 5 ans du marché des artistes. Maintenant, on prend racine au cœur du bourg dans le cadre d'un projet de revitalisation du centre-bourg. Moi, je suis Gérard Gonzalez, adjoint au maire et président de l'association socioculturelle. J'ai monté le dossier auprès de la région et j'ai cherché quelqu'un qui avait les compétences pour gérer l'espace artistique. Et donc, je vous présente Nathalie Texera qui devient l'âme de ce lieu d'exposition. Mais pas que, parce qu'on est une belle équipe de bénévoles et tous les artistes nous aident dans ce projet magnifique pour le centre-bourg. Pour juillet et août, par contre, nous avons fait des expositions à thème pour que, en fait, nous puissions exposer à plus grand nombre, en fait, pour que tout le monde puisse exposer au moins une œuvre, voire plusieurs si c'est possible, et nous avons fait des thèmes. Donc, tout juillet et août, les artistes pourront exposer sur les thèmes. Alors, nous avons choisi cette année les éléments, donc la terre, l'eau, le feu, l'air. Et nous avons dit les éléments ont du sens. Voilà. Et le dernier, le cinquième élément, c'est goûter la vie. Voilà.